You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Wally indeed, StarCraft 2 à son plus haut niveau ici. Et dans un orgasme GSS. De la part de Tasteless, hein, si vous l'avez bien entendu, bien dans le background. Et effectivement, la qualité des membres de ce groupe sont plutôt initiateurs de plaisirs sexuels chez pas mal de nerds, dont c'est notre cas. Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, TKL a beaucoup de difficultés à s'asseoir depuis tout à l'heure. Bah c'est ça. Déjà que les chaises sont inconfortables, donc quand tu dois en plus t'asseoir sur un dong massif, forcément les complications augmentent. Des dongs massifs ici, on en a. Hein. Innovation est sous deux monstres absolus qui streament régulièrement sur Twitch d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller checker régulièrement dans le directory StarCraft 2. Ils sont très souvent là et montrent déjà un énorme niveau. Ils participent à la plupart des cups online et font d'énormes perfs régulièrement. On a notamment vu une finale de la Ravens Cup où Innovation s'est battu contre DNS en finale. Bon, le pauvre DNS bien sûr s'est fait rect, mais il était quand même arrivé en finale face à Innovation. C'est difficile d'essayer d'outplay une machine en fait. Hein. C'est ça, surtout qu'avec DeepMind qui avance toujours plus, pour plus de plaisir sexuel bien sûr. Gwenal, merci pour ton resub, mais entre DeepMind et Innovation, tu ne t'en sors juste plus au niveau de la puissance des machines au 21ème siècle. Alors, pour Sou, c'est plutôt décent avec un groupe de Round of 32 qui s'est passé tranquillement 2-0-2-1 avec des victoires en ZVZ notamment, match-up qu'il pourrait avoir à jouer en cas de défaite face à Innovation puisqu'il retrouverait Dark dans le Losers Match. Par contre, les stats sont beaucoup moins bonnes pour Sou qui alterne le bon et le moins bon avec 50% général depuis le début de Legacy of the Void en offline. Echo, Nuker, Precinct et Daybreak seront les trois cartes jouées. Ouais. Et du coup, on est bien sûr encore sur certaines maps de l'ancien ladder. La GSL qui a update son map pool en rajoutant des maps du nouveau ladder, ce qui est tout à fait cool. Mais il y a encore des anciennes maps sur ce match-ci, sur ce map pool en fait. Et du coup, qui ont été choisies par les joueurs ici. Echo qui sera la première map. Qu'est-ce qu'on en pense, Echo, en TVZ ? Je pense que clairement c'est une map balance. Ouais. Hein. Voilà, c'est une map sur laquelle il n'y a pas énormément de choses à dire. Tu peux jouer plusieurs styles de jeu à l'époque où le mecha était populaire. On était sur une map qui pouvait être très bien splittée en deux avec Mastourelle et jouer très 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 lentement. Mais du point de vue du terrain maintenant, au vu de la relative médiocrité du jeu mecha, on se remet à jouer Marine Mine. Medivac, Marine Marauder Mine Medivac, le fameux quadruple M. Et pour Zerg, en fait, le truc assez intéressant, c'est que on a et le Mutaling Bane et le Roach Ravageur qui est disponible sur cette carte. De mémoire, Sou est plutôt un adepte du Roach Ravageur. Sur Echo, on va voir si ça se confirme en bas à droite. La machine, Terran Innovation. Oh. Et bien sûr. Tandis que nous allons avoir une pause dans quelques instants, je believe. Oui, tout à fait, une pause qui a été faite. Il y a dû avoir un petit souci technique apparemment du côté de Sou en premier lieu. Et bien sûr ici vous voyez les petites oreillettes pour couvrir le son. Nous on a les mêmes, pas tout à fait, mais on a des similaires pour les OGSL pour se protéger complètement du cast de nos camarades. Du public en délire, voilà des fangirls qui retirent leur t-shirt. Voilà. Il faut rester parfaitement concentré pour distribuer un maximum de sel. Oui. Et pour certains sortir de la position d'éternel Kong de l'OGSL. Et le gatekeeper. Ouais, non. Mais je vois pas comment je peux en gagner une en fait. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Va être... Mais tu peux ne pas arriver deuxième aussi. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est la manière dont t'as envie d'arrêter d'être un Kong ? Je ne sais pas, mais. Ça, je suis pas un Kong, j'ai terminé sixième. Ça peut être une option. Bien sûr. En tous les cas, ici, la game qui va pouvoir se relancer, puisque bien sûr, nous, on n'a pas besoin d'attendre un quart d'heure que les problèmes techniques se règlent. En bas à gauche, du coup, en zerg rouge. En haut à gauche, du coup. En haut à gauche, my bad. En zerg rouge, Sou. Sou.
C'est pas grave, tout va bien. On va la faire à la maison, à la mano, à l'ancienne, bien sûr. Alors, un match, une opposition entre SK Telecom, du coup, sous Dark Innovation Classique. Il n'y a que des SKT dans ce groupe. Ouais, bah c'est le groupe SKT, quoi, tout simplement. Le Group of Death. Le seul. C'est marrant, hein, comme il suffit de mettre 4 joueurs de la même équipe au top pour avoir un groupe de la mort, soudainement. Ex-même équipe, du coup, mais. Ils ne sont plus SKT. Mais... En même temps, tu sais, ça a été comme si à l'époque de la GSTL. Imagine la GSTL, au moment où elle s'arrête, tu fais un groupe de GSL où t'as les 4 joueurs de Slayer dans le même groupe. Bah là ça, on aurait été un peu dans le même contexte, tu vois. C'est ça, sauf que là on est en 2017 et que le niveau savoir en fait voilà. Il y a une sacrée histoire sur les 4 joueurs en question, tu vois. Clairement. C'est pas juste bon, ils sont dans une bonne équipe et tout, non. Bah écoute, il y a un petit peu trop de victoires en tournoi, il y a un petit peu trop de deep runs dans toutes les compétitions. Ça fait beaucoup, notamment Innovation qui a plus de 350 000 $ de gains voilà pour démarrer. Je sais pas où en sont les autres, mais je me rappelle de cette stat de Nation Wars. Alors, du point de vue du build order, on est parti sur un petit rack CC en fait, sans Reaper. On a squeezé le Reaper, on allait chercher un potentiel Overlord qui pourrait aller chercher des noises, mais sous qui la joue solide, qui la joue détente et qui ne va pas avancer trop rapidement avec cet Overlord là. Là, bah, pour l'instant, qui va du coup jouer de manière précautionneuse, hein, vis-à-vis de son adversaire, le speed qui est en train d'arriver sereinement pour. Le petit Sou qui va sûrement en profiter hein, pour reprendre l'information sur ce que fait son adversaire, puisqu'il n'a pas avancé ses Overlords, il est un peu dans le noir par rapport à ce que fait Innovation, donc va devoir utiliser quelques petits Zerglingu et même les Overlords en fait, a priori, qui devraient être bien positionnés pour voir le passage des Hélions qui sont en production de la part de Innovation quand ouais, ils sortiront. C'est difficile de le skip celui-là, hein. Mine de rien. Et considérant le fait qu'il a gardé le deuxième là, concrètement, si tu veux commencer à planquer des Hélions, il faut faire ce genre de bouffe. Voilà. Ce qui est pas impossible hein, quand on s'appelle Innovation, mais qui voilà, qui dénote aussi une certaine capacité à bloquer sur des détails, hein, un petit trouble obsessionnel compulsif. Non, mais mon Hélion il va faire ça et tout machin. Et il le verra pas jusqu'au moment où je serai en train de lui cramer tous ses drones à ce fils de. Ça sera impossible. Voilà. Et derrière, ça va être un timing elbat hein, de la part de Innovation qui super a posé son armurerie. Ouais, super populaire et j'ai envie de dire. Que c'est un. Ça a beaucoup de sens en fait à l'heure actuelle, dans une méta justement où tu l'as dit, les deux styles de jeu sont un peu possibles, Roach Ravageur et Zergling Bending, mais les deux pour défendre en timing et le bat vont te forcer à engager beaucoup de gaz assez tôt dans ta défense, ce qui en fait automatiquement te met une forme de handicap sur la suite de ta game, là où un Coca Build typiquement, bon tu peux pas le défendre au full gling, mais tu peux éviter de subir du dégâts au full gling et du coup tu préserves ton gaz pour la suite de la game. Oula, dans celui-ci les Zergling qui auront quand même réussi à trouver leur chemin dans la main et qui ont tout vu, du coup c'est ça va être Roach War totalement. V'là les réparateurs Funka pour ton solo de guitare d'hier. Wow. J'ai eu une érection, mais moi-même aussi à chaque fois que je joue de la gratte j'ai une érection, c'est d'ailleurs très très chiant pour la portée. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Keep it coming, bien sûr, les Hellbat et les Marines qui sont là dans le hood et on a la bonne micro ici sur le Medivac pour éviter de se faire cibler et perdre ce potentiel de soin. Même si du coup les quelques Zerglings ont foutu un sacré bordel, le bordel est complètement de l'autre côté de la carte désormais avec 5 drones qui tombent et ça continue. Oh là là, Sou qui a fait une erreur ici, qui va pick up qui va se retrouver à devoir faire face à des Marines qui sont repartis dans le Medivac tranquillement pour se mettre safe. Oh là là, il est en train de perdre cette game sur le timing Hellbat. C'est ça, les Hellbat qui sont quasiment full life ici, il y en a juste un là qui est en train de se faire babysit par le Medivac et qui du coup va pouvoir rester en vie un peu plus longtemps. Déjà 9 drones de cramé et une ligne de minerai parfaitement inutile. Sou qui n'a pas du tout calculé le truc aussitôt que ça au moment où ça a été scouté. Innovation part à l'attaque et du coup fait un dégât monstrueux. Il y a deux roches mais un très lourd en vie, voilà, qui va sauter instantanément. On va finir à terme par nettoyer, mais on a perdu tellement sur cette attaque. On a perdu 9 workers, on a une ligne de minerai B2 qui ne travaille plus, heureusement pour lui. Il y avait une troisième base sur laquelle se replier mais derrière, oula, double cyclone Banshee Marine. Je crois qu'en fait Innovation là vient de scanner en fait ce qui vient de se passer. Il dit adversaire en PLS, je peux terminer maintenant. C'est ça. Pour moi hein, la seule logique hein, build des cyclones là, alors qu'on le voit hein, vouloir partir vers bio derrière, c'est de se dire attends je vais refaire un push Banshee cyclone Hellbat. Banshee cyclone Hellbat. Et tu vas mourir. On va voir comment tu vas te démerder. C'est ça. Et là déjà bah, on a des Roach qui ne peuvent pas partir à contre-attaque à cause de la Banshee, qui ont déjà perdu pas mal de vie. La petite
Script Humeur qui est chopé. Derrière, c'est la ligne de Minerick qui va commencer à prendre la sauce. Il n'y a même pas de Queen pour défendre la spoiler et tout juste lancer. C'est la panique totale du côté de Sou. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais de toute façon, c'est simple. Rappelez-vous Yogo. Rappelez-vous Yogo qui prend un timing et le bat et qui peut pas le hold de manière confortable, bah c'est ce qui se passe. Voilà. Tu te retrouves avec des lions qui te crament tout, parce qu'on parle des drones mais on n'a pas parlé aussi des, voilà, des 36 Zerglings sont tombés, les 5 queens également, enfin il a tout fait tomber avec son timing et le bat et ses quelques marines. Voilà, c'est fait assez facilement. C'est ça. Et cette game devrait se terminer de manière assez abrupte. C'est ça. Sou qui va être a priori incapable de défendre ça. Enfin, il y a déjà une troisième Banshee qui est en train d'arriver et ça va être un DPS non négligeable de rajouter sur, sur les roaches. Et même s'il veut tenir, je veux dire, il y a le troisième CC qui est lancé, double Engineering Bay, deux racks supplémentaires. Enfin, il y a un enchaînement qui est juste beaucoup trop puissant. C'est des chaînes d'assemblage, le build order d'innovation. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment parfait. Et là, normalement, on devrait terminer cette partie, même si les Elbats vont encaisser un tout petit peu de dégâts là. La Spore qui va être transfuse au dernier instant, le Ravageur en haut qui se fait cibler, qui va tomber. Les Cyclones ne sont absolument pas touchés. Il n'y a pas de DPS dans cette armée Zerg. Et la première séquence d'attaque ici de la part d'Innovation aura scellé le sort dessous. GG Innovation 1-0. Salut. Alors du coup, salut, Alexis. Je m'appelle Innovation. Oh, il est rigole. Ça a été facile ici pour Innovation. Qui, en plus, apparemment, dans le chat, ça disait qu'il avait rencontré dernièrement pas mal Sou en ladder et qu'il était un peu salé vis-à-vis de Sou. Et bah, manifestement. C'est pas l'inverse. Moi, j'avais cru lire que Sou était saoulé d'Innovation. D'accord. Mais peut-être que t'as mieux compris le truc. Hein. Ah, ou peut-être que l'inverse. Tu vois, je ne sais pas. Mais en tous les cas, Innovation, lui, ça le fait bien rire et son adversaire est saoulé manifestement ici. Ouais, bah il rigole parce que en vrai, enfin, tu t'attends pas à passer une game aussi tranquille quand tu joues face à Sou, quoi. Enfin, Sou, Innovation, c'est une histoire d'amour quand même. Il y a eu de la finale GSL qui a été jouée entre ces deux joueurs. Il y a eu le comeback de l'infini, notamment Dino, face à Sou. Et généralement, voilà, c'est plus disputé que cette première game où le timing et le bat fait mouche. Et à partir de ce moment-là, et bien comme on a cette opportunité de continuer de mettre de... C'est un truc qui est assez nouveau d'ailleurs, je trouve, chez Terran, c'est... Le studio est quand même méga blindé. Hein. Ouais, ouais. On a répondu présent à la pléthore de stars qui a été envoyée dans ce groupe B, du côté des fans coréens et même donc internationaux. On a vu quelqu'un qui disait 10 heures d'avion pour venir voir jouer Innovation. Ah, voilà. Mais voilà, ce build et cette capacité du coup à continuer de mettre la pression, notamment grâce à Réacteur Cyclone en fait, qui permet que cette deuxième lame d'attaque, qui n'aurait probablement pas existé dans un passé relativement proche, eh bien là lui permet de terminer la game à un moment donné où Sou évidemment se dit c'est le moment de lancer 60 drones et de revenir dans cette partie. Bah là tu peux pas. Non, tu ne peux pas. Impossible. Du coup, il va falloir très clairement changer la donne sur Newkirk Precinct. Mais comment tu changes la donne? Parce que le timing de Innovation est tout à fait possible aussi sur cette map. Donc ça va être très compliqué. La question c'est est-ce que la machine décidera effectivement de réutiliser les mêmes armes? Le public qui est bien sûr présent. Ça fait extrêmement plaisir de voir les studios comme ça qui sont full Blindax bien sûr pour ce groupe de talent, ce groupe des génies, groupe B de la GSL ici en bas à gauche, la machine qui mène 1-0 sans problème. Innovation. Et bien sûr, en bas à droite, en Zerg rouge, il s'agit de Sou. Alright, I'm so excited, bien I'm sûr. So excited. Les puns qui étaient. C'est dans quoi? I don't want to lose control, but I think I like it. C'est ça qu'elle dit, hein. Putain, je suis trop chaud. C'est quelle chanson? I'm so excited. T'as jamais entendu ce morceau? Ah, tu vas te faire. Ah, TKL, franchement, Funka, la gerbe, mec. Pourquoi tu te lances là-dedans? Tu sais déjà. Non, mais t'as jamais entendu I'm so excited. Mais si, ça me disait quelque chose, mais. Bon, bah voilà, tu l'as entendu alors. Mais c'était pour le nom de l'artiste. Oui, mais le nom, on s'en fout. Voilà. Bon, bah. C'est important, mais.
tant que tu me dis que t'as entendu le morceau. Parce que sinon, ça veut vraiment dire que quand t'entends de la musique, tu fermes tes oreilles. Parce que tu l'as nécessairement entendu. Non, ça c'est seulement quand je caste avec toi. Ah, oh, audio, comme ta sœur. Le Reaper, du coup, qui est en cours de production, hein, contrairement à la game précédente, du côté. T'as de la chance que le micro que tu portes vaille beaucoup d'argent, ouais, parce que sinon t'aurais pris un aller-retour. Ah ouais. Attention. Attention. Parce qu'en plus, elle regarde souvent, elle m'a en plus dit qu'elle te trouvait plutôt cool et d'accord, tout. Et voilà, maintenant elle doit être super déçue. Mais c'est comme la sœur de Coca aussi, regarde beaucoup. Desquels t'as aucune connaissance musicale en fait. Tout à fait, NekoGami87, merci pour ton resub. Absolument. Mais non, c'est pas la sœur de Coca qui regarde, c'est les potes de la sœur de Coca qui regardent de temps en temps. Et du coup, et du coup, c'est pour ça que Coca il aime pas du tout qu'on vanne sa sœur, parce que du coup après c'est les potes de sa sœur qui lui racontent les vannes qui sont éventuellement balancées. Voilà. Éventuellement. Ouh, Coquinou Innovation avec un ultra rapide 3DMCC. Alors ça c'est voilà, c'est la version intermédiaire, c'est-à-dire tu ne payes pas ta starport avant de, enfin tu ne payes pas ta starport avant le CC, tu prends le command center d'abord. Et ça pour le coup bah c'est la grid maximale hein, parce que tu viens de payer l'orbital, au moment où tu vas échanger les add-ons, bon, là, les ressources sont quasi parfaites. Hein. Non mais... Voilà, 2 Hélions. Voilà, c'est parfait. Et derrière, par contre, tu serres les fesses. Parce que tu n'as pas d'autres units. Tu peux pas vraiment payer de bunker. Tu peux pas vraiment payer de marine non plus, parce qu'il se permet de faire des add-ons avec Sarax. Donc là, c'est clairement un mec qui dit, tu ne vas pas être agressif dans cette game. Tu vas pas me faire justement le push qu'on a vu faire de la part de... c'était qui le salopio là, qui faisait Roach Ravager, Ling, trop vénère. Curious. C'est pas Bule. Bule, merci. Bule, effectivement, qui faisait ce genre de build. Là, ouais, typiquement, Bule build, t'es mort. Ouais, tu peux même quitter la game quand tu vois les ravageurs sortir, tu vois. C'est ça. Tu ne peux rien faire. Il y a no way tu tiennes. Et c'est aussi pour ça qu'il a open Reaper, hein, le bon innovation. C'est pour aller prendre très rapidement l'information justement sur le build de son adversaire et pouvoir éventuellement changer son fusil d'épaule à la dernière minute pour lui permettre de survivre dans la game. Et ici, bah, il est relativement serein, hein, vis-à-vis de ce qu'il a vu. Il n'y a pas eu de Roach Warren ultra rapide. On est sur un timing relativement normal de la part de Sou. Et d'autre part, bah, lui, il a 2 Hélions en plus du Reaper qui va lui permettre de deny un petit peu de creep. Ce qui est très 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 bon à ce moment-là, hein, pour Innovation. Le Creeperino qui a été reculé un petit peu ici, donc par l'action de ces deux Hélions et de ce Reaper, action combinée. Et ça, typiquement, bah, là en fait, si je devais faire une comparaison en fait en termes de style de jeu et et surtout en fait de motivation derrière le build, de lettre d'intention du build order d'Innovation, c'est la grid à la manière d'un homme appelé Bomber. C'est-à-dire, je fais des lions pour le map control, genre, mais vas-y, traverse pas la carte et tout, je te brûle tes glings, je te brûle tes trucs, viens pas voir ce qui se passe de mon côté, parce que tu vas pas aimer ce que tu vas voir. C'est-à-dire un mec qui a craché double eBay, qui, ça y est, commence à avoir des bâtiments de production qui lui permettent de produire de la bio, mais qui a pour l'instant le royal nombre de 5 marines pour pouvoir se défendre. Donc du coup, tu fais tout avec une énorme écho. Et c'est là que, voilà, la micro de tes lions, elle est ultra importante. Alors, le truc qui est marrant, en fait, c'est que, malgré ce que je viens de dire, un mec comme Bomber, à l'époque, il faisait 2 hélions et il faisait un run-by direct pour cramer des drones, tu vois. C'est ça, aucune limite. Si j'arrive à te prendre 2 drones de plus, c'est-à-dire que j'aurai une avance encore plus conséquente sur l'économie. C'est ça. Mais ça, c'est fantastique. Et je n'aurais peut-être même pas besoin d'utiliser le Steam pour t'écraser avec mes 125 marines au bout de 8 minutes 30 de jeu. Non, mais mec, c'était ridicule. Mais oui, c'était fantastique. Ah, bah, voilà. Déjà, même quand Bomber était sur le début de Legacy of the Void, quand il faisait encore les premières GSL, c'était assez fantastique qu'il continue d'essayer un petit peu des styles comme ça, alors que bah, c'était les Protoss qui prenaient une quatrième base ultra rapide. Tu voyais Bomber qui posait son CC quasiment en même temps. Bon, il perdait certes, mais il tentait le truc, ce qui était très drôle. En tous les cas, ici on a un push Roach Ravager Gling qui est en train d'arriver et qui va du coup essayer de faire un petit peu de dégâts. Déjà en force le pool des VCS pour la réparation, ce qui peut être une forme de dégâts en soi. Mais je crains que ça soit compliqué, hein, de trouver beaucoup plus de dégâts que quelques poignées de VCS. Le Steam est déjà VCS. Fini, il y a des bunkers. C'est une semi-biulerie en fait, ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 12 Ravageurs, il y en a 5. Enfin, il y en a 4. Et il y a un petit pack de Zergling. Et derrière, on est en train de transitionner. Hein. On a les Evo Chamber, on a des drones supplémentaires qui sont passés. Le tier 2 également. Voilà. Là, c'est juste pour dire, bon, tu m'as eu avec ta strat de bâtard, parce qu'il l'a vu avec ses deux Zergling. Ouais. Hein. Tu m'as eu, je vais mettre la pression. Et au minimum, bah, il a fait pull les SIV, ça lui a pas coûté grand chose. C'est ça. Et on a aussi eu un cut dans la production de VCS, juste au cas où, du côté de l'innovation. Donc, c'était vraiment le meilleur move, hein, potentiel du côté de Sou pour. Au moins empêcher le snowball total de son adversaire. Ici on voit le drop arriver, du coup il va falloir être en place du côté de Sou qui rajoute son Benling Nest aussi, hein, donc Zergling, Benling, Ravageur, le style qui était utilisé en ZVP qui s'adapte du coup au ZVT. Ouais.
de plus en plus. Il va falloir encaisser hein, quand même, parce que quand la macro de innovation va commencer à rentrer particulièrement en ligne de compte, là ici avec le 3 MCC qui va commencer à travailler, les 4e et 5e racks qui vont se terminer, eh bien on va commencer à vomir des unités hein, du côté de chez Innovation, et avec son exécution et sa capacité à split, eh bien ça va être très très difficile de le maintenir en échec, puisque le creep est plutôt correct dans cette game. Ouais. Mais va falloir qu'ils se battent pour le maintenir en place, parce que là on n'est pas loin de pouvoir claquer un scan qui va révéler beaucoup de tumeurs. Est-ce qu'il choisit de le faire? Et le scan parfait en plus. Ouais, qui est vraiment sur un maximum de creep, qui chope beaucoup de tumeurs encore actives. Et du coup avec encore du potentiel d'extension ici, donc il va falloir serrer un peu fort les fesses sur cette... sur cette attaque. Oh là là, on pick up directement pour aller dans la main. Ici, on n'est pas du tout en place du côté dessous. On n'a pas d'unité prête à réceptionner. On a un seul Bendling solitaire qui se balade au milieu de la pompe bas, mais qui s'est fait un peu cliquer la gueule. Il a réussi à fuir, mais ça s'est joué à vraiment pas grand chose. 1€ de plus de la part de Vlad le réparateur. Je n'arrive pas du tout à lire, mais c'est pas grave. On a repoussé l'agression. Innovation ne joue pas SC2, c'est Innovation qui joue. SC2 qui joue à Innovation. Voilà. Nice. C'est un peu le Soviet Russia meme adapté à Innovation. S'appelle l'autre Chuck Norris. Ah oui, aussi. Ah oui. Mais Mais Bowser au chien aussi, ça marche aussi. C'est vrai. Attention, le run by de Marine ici avec le petit drop. On prend deux drones, on récupère avec une petite évacuation tout à fait coquette avec l'afterburner ici de ce Medivac. Et la macro hein, qui est folle. Qui est folle, il maintient une population absolument équivalente avec des upgrades équivalents, alors que le joueur terrain est censé courir un petit peu derrière, mais grâce à son build, et ben c'est parfaitement équitable. Ici les Zerglings qui sont en train de faire une danse des enfers pour réussir à intercepter l'armée de son adversaire. C'est un mosh pit en fait. Voilà, complètement. C'est même un mosh pit de Zerglings. C'est même un... Ils sont en train d'écouter du Slayer là. Ouais. Là, c'est... Raining ça... Blood. Tournez. Pendant ce temps-là, on a terminé la Spire. Spire qui va produire des corrupteurs à la manière de Dark, justement. Oui. Et on revient ici avec ce drop marine pour se débarrasser de cette spawning pool qui était bien low. Et pendant ce temps-là, évidemment, il y a un autre drop qui a été activé puisque la machine voit 14 coups en avance. Exactement. À la manière de Deep Blue quand il jouait contre Kasparov à l'époque aux échecs. On s'en rappelle, hein. Bien sûr. On était là. Assez ému. Ce match entre l'homme et la machine. Je me rappelle comme si c'était hier, hein, très clairement. Oui. J'avais sorti mon popcorn. Bien sûr. C'était quoi en 90. À l'époque, je crois que ça s'appelait du maïs sauté, non? Ouais, c'était pas popcorn, non? C'est ça. Et à l'époque, bien sûr, les femmes pouvaient enfin révéler leurs chevilles en public. Des grandes avancées. Voilà. Tentative de run by de Zergling qui part vers le nord. On va essayer de partir un peu enfin à la contre-attaque du côté de Sou. Empêcher notamment une prise de B4 si elle avait été un peu greedy sur le spot. On le voit, Innovation n'a pas été si greedy que ça. Il l'a posé en bas de sa rampe de B2. Donc, ici, avec un excellent map control, il devrait être capable de voir venir l'agression. Et pendant ce temps-là, lui aussi, son agression qui sera qui ici. Les marines qui vont être pick-up dans le Medivac. On ne perd quasiment rien sur cette séquence et on a pris un Bendling en échange. Ouais, et du coup on attire un petit peu de population au nord pendant qu'on est en train de prendre la position. J'ai nommé Omega PT pour les tanks, 5 tanks justement du côté de chez Innovation qui sont en train de se siéger, et on va accélérer un petit peu le rendement ici avec quelques marines qui vont partir en bas. Un extracteur qui pris pour cible pendant ce temps là alors qu'on est en train de préparer sa concave. Côté Sou qui veut prendre cette fight, mais off creep, est-ce que réellement il y a une chance de s'en sortir? La contre-attaque elle est là, Link Bane, peut-être une opportunité de faire le dégât. On va voir s'il décide de le faire au moment où site. Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. Ouais, et il y va. En même temps que les Ling et les Bendling, ce qui va forcer Innovation à gérer sur plusieurs fronts. Sur le front frontal, c'est bien géré. Ici, les Bendling qui sont pas en train de trouver des dégâts parce que les VCS sont en train de fuir. Les billes corrosives qui connectent, mais pas suffisamment pour forcer Innovation à reculer. Les Bendling qui sont toujours dans la ligne de minerai, mais qui vont pouvoir être gérés par les renforts. Et même le tank ici qui met les grosses bastos sur les boules d'acide. Et c'est méga chaud. Et les corrupteurs qui n'ont pas du tout payé en fait, hein, sur cette fight, qui ne sont pas débarrassés du nombre complètement malsain de Medivac. Les marines, les maraudeurs qui se sont regroupés. Il y a le 2-2 qui vient de kick, et ici cette B3, elle est ultra vulnérable pour le joueur Zerg qui pourrait prendre son 2-0 sec à l'instar de Dark tout à l'heure face à Classic. Mais ici dans le match-up TVZ, eh bien Innovation est très 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 solide avec encore une fois une exécution, une capacité à maintenir ses unités en vie. Le press-spread est de toute beauté, les tanks vont se siéger à nouveau. Ouais. Et cette masse de Link Baning et Ravageur ne font pas du tout la différence ici. Et là t'es vraiment dans le scénario un peu nul sur le curve pressing, tout à ce gros bloc au milieu de la map qui t'empêche de prendre une concave sympathique pour le joueur Zerg. Ici il y a quelques connexions de bending, mais c'est largement insuffisant. Les ravageurs qui se retrouvent seuls face à la bio, alors oui ça connecte un peu, mais on n'a juste pas assez d'unités pour le joueur Zerg. Oh, allez, déjà 5 mois, GG les boys, GG.
GG. Atoli Musée. Et on est encore sur une game où on a le double de pertes pour le joueur derrière. 16 000 à 8 000. Voilà. Mais c'est là, classique et innovation qui pour l'instant marche allègrement, même danse sur le cadavre de leur adversaire Zerg. Hein. C'est assez extraordinaire. Ouais, not even close. Et apparemment, Innovation porte un pull qui dit qu'il est ouvert 7 jours par semaine. Eh bien, tant mieux pour lui. Tant mieux, Innovation, écoute. Tant mieux. Profites-en, maintenant que tu ne vis plus dans une team out, tu peux accueillir qui tu veux, il n'y a pas de souci. Et bah du coup ça va être un losers match en ZVZ et un winners match en PVT. Au moins ça va peut-être mettre fin voilà à qui est le premier Zerg de Corée, puisque bah, y en a un des deux qui va forcément être éliminé. C'est ça. Mais là en fait, quel que soit le vainqueur de ce match, je le vois pas remporter le perdant de Innovation contre Classic. À moins que le joueur soit brisé mentalement, mental broken total. Là vu les performances, enfin. Genre... Bon, après, un BO3 n'est pas forcément le même que celui qui a été joué juste avant. Certes. Cher TKL, tu peux avoir aussi choisi de garder quelques stratégies dans ta manche, besace. Dans ta besace, mais également dans ta manche. Hein, dans ta sarcelle. Pour pouvoir. De quoi? Dans ta sarcelle? Non, c'est pas de la sarcelle, non? Non, je vois, ok. Dans ton escarcelle. Escarcelle, merde. Oh, fuck, oh ça c'est une ville. Oh putain. Merde. Oh là. Chier. Bref. Je dis que ça serait mais voilà, un BO3 est un autre BO3. Enfin, l'autre BO3 est pas forcément censé aller exactement de la même manière, mais c'est vrai qu'au niveau de la prestation des deux joueurs qui sont en winners match, il y a juste pas photo. 2-0, 2-0. GG l'équipe, nous dit Snash 06 qui est là depuis 17 mois. Mais ça, c'est un journal. Kill me. faites quelque chose. Mais ouais, non. Déjà, le potentiel du niveau de ce TVP de match final, déjà, m'excite. Ah oui. Ah non, ouais. Ah, clairement, surtout en voyant comment les deux sont en forme extrême. On verra s'ils le sont autant en PVT que en ZVT ou P. Oui. Ça sera quelque chose de déterminé au moment de ce match. On commencera normalement par le Losers Match, si je ne m'abuse. Non. Non, absolument pas, le Winners Match, du coup, qui sera du coup juste après 5 petites minutes de pause. C'est le match à ne pas manquer. Innovation contre Classic en TVP. Un BO3 de qualité pour déterminer le joueur qui sortira premier de ce groupe B. On fait quelques minutes de réclame et on revient dans quelques instants. À tout de suite.